Hello, hello tout le monde, c'est Tissu sa bicyclette, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons tester le Fat Bike. Tout cela grâce à notre ami Philou du magasin Bike Sport Anoas qui nous a prêté un vélo et qui nous servira aussi de guide durant cette journée sur les hauteurs de Cran Montana. Mais avant tout, qu'est-ce que le Fat Bike? Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, dès la création du vélo, il existe déjà des vélos avec des gros pneus. Son histoire commence véritablement dans les années 80, où le français Jean Naude est le tout premier à dessiner un tricycle monotrack à gros pneus. Durant une longue période, ce vélo à gros pneus restera dans l'anonymat avec quelques conceptions artisanales. C'est bien plus tard, en 1999, qu'il est testé pour la première fois à l'Interbike International Bicycle Expo. En 2000, les premiers modèles voient le jour et c'est surtout en Amérique du Nord, durant l'hiver, que ce vélo est très apprécié. En 2001, le concepteur Mark Groenewald enregistre la marque de commerce Fat Bike. C'est seulement en 2010 que ce type de vélo au cadre spécifiquement conçu pour faire place à de gros pneus surdimensionnés, souvent entre 4 et 5 pouces de largeur, montés sur des jambes de 100 mm, connaîtra son véritable essor en Europe. Toutes les grandes marques se mettront à concevoir ce type de vélo. Nous sommes en 2020 et même si ce vélo est toujours très populaire en Amérique du Nord, il n'a pas connu le boom escompté. D'ailleurs, si vous cherchez chez Specialized Europe Fat Bike, vous ne le trouverez plus dans leur catalogue. Et pourtant, c'est bien sur un de leurs modèles que je roule aujourd'hui. Je vous rassure, il est toujours possible d'en trouver, même si les grandes marques ne le proposent plus, sauf en Amérique du Nord où ils sont toujours très prisés. Nous avons parlé de son histoire, qu'en est-il vraiment de ce vélo qui ne possède aucune suspension, pour la simple et bonne raison que ses pneus surdimensionnés offrent un bon confort et un bon amortissement. La seule difficulté est de trouver la bonne pression. Une pression de pneus souvent très basse qui se situe à 5 à 0,5 bar, qu'il faudra faire varier selon les conditions entre s'il fait chaud ou s'il fait froid, le type de terrain et sans oublier l'altitude. Il se pratique surtout sur la neige, le sable ou dans la boue et aussi sur les petits chemins en été, voire des pentes très abruptes. Non, rien ne lui fait peur, il se permet même le luxe de se confronter à des vélos de descente. Ces pneus très larges offrent une excellente adhérence autant en montée qu'en descente. Si au Canada il est très couru durant l'hiver, ici en Europe il est plus difficile de le pratiquer car il n'a pas encore de piste dédiée durant l'hiver. Mais quelques stations comme Villars qui proposent la location ainsi qu'un parcours spécialement conçu pour le Fat Bike se met gentiment en route. Ici à Cran Montana, il est en voie de développement. Comme c'est encore assez marginal, il est difficile de le pratiquer n'importe où. Alors je vais quand même aussi vous donner mon avis pour cette première expérience sur ce type de vélo. J'ai eu la chance de le pratiquer dans des conditions absolument parfaites. J'ai pris énormément de plaisir à rouler, que ce soit autant en montée où il fallait savoir rouler en souplesse, car les quelques passages où j'ai fait des tentatives de passer en force se sont souvent soldés par une roue arrière qui patinait comme un dragster qui chauffe ses pneus. Et comme vous avez pu le voir au début, les paysages et la vue étaient vraiment magnifiques. Pour ce qui est de la descente, j'avais une légère appréhension, mais j'ai très vite été rassuré par l'incroyable stabilité de ces gros pneus. Et la technique qui consiste à faire glisser la roue arrière de gauche à droite, qui demande quand même une certaine dextérité, puisque si vous le faites trop glisser, forcément vous partirez en tête à queue, comme vous avez pu le constater. Mais la confiance va très vite tomber. Et oui, j'ai malheureusement commis l'erreur de bien trop braquer mon guidon, ce qui m'a fait chuter. Mais c'est en tombant qu'on apprend de ses erreurs. Et je vais très vite repartir de plus belle sur ces magnifiques pistes. Vraiment, c'était le top du top durant ces descentes.
Alors j'ai beaucoup apprécié la pratique de cette discipline. Pourquoi pas l'année prochaine, si les conditions le permettent, en louer un pour découvrir le Valais à vélo durant l'hiver. Alors je vous laisse apprécier cette vidéo, mais comme vous allez pouvoir le constater, j'ai dû changer de caméra à cause que la batterie ne supporte pas le froid. Mon autre caméra n'ayant pas de stabilisateur, l'image sera très mouvementé. Alors je vous laisse avec ces images. Un grand merci à Philou de m'avoir permis de découvrir le Fat Bike et merci à vous de m'avoir suivi. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.